Coucou, je voulais vous partager une astuce en fait que je viens de découvrir. J'ai été dans une solderie là, je suis en vacances. Par contre, j'ai plein de vidéos d'avance. Donc cette vidéo, vous la verrez, je serai plus en vacances, j'aurai repris le boulot. Mais je voulais vous partager cette astuce. Voilà, pour faire une jolie déco. Alors ça fait boule de Noël, hein, ça fait. C'est une boule en polystyrène que j'ai mis à l'intérieur. Ça peut faire jolie petite déco pour. Comment? Pour des baby showers ou quoi que ce soit, mais j'avais trouvé ça. Ce sont des supports à des emballages à dragées. Voilà, on en trouve souvent, mais c'est en tulle. Je suis tombée amoureuse de cela, je les trouve super jolies. Il n'y en a plus qu'un paquet de 6 morceaux. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment de la jolie, jolie dentelle et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je les ai pris sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et j'ai pris ça aussi. Voilà, j'ai trouvé ça, les petites décos là, à 1 euro. Moi j'aime le Vichy, les petits pois, le rose. Parfait. Bon, il n'y avait pas pour garçon. C'est dommage, j'aurais pris pour garçon aussi. Il n'y avait que pour filles. Donc bon, bah on va faire des trucs de filles. Hein. C'est pas que ça me dérange. Du rose, ça me dérange pas trop. Du coup, bah, quand j'ai déballé mes achats, j'ai acheté ça, ça et une autre chose, je ne sais plus quoi. Un autre truc, je ne sais plus ce que j'ai acheté. Enfin bon, sans importance. Dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, pour faire une boule de Noël, ça peut être sympa. Puisque en ce moment, on fait des boules de Noël où on met du tissu sur les côtés et tout. On creuse, on met du tissu, etc. Mais là, en fait, vu que la forme, elle est toute faite, bon, j'en ai besoin que d'un. Vu que la forme, elle est toute faite, c'est parfait. Voilà, alors. Ce qu'il faut faire, c'est sur chaque côté, vous avez des liens. Hop, vous resserrez les liens de chaque côté. Hop. Et voilà, c'est fini. Non, mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais avec le tulle et tout, ça peut être sympa aussi. Enfin, je pense que c'est une bonne alternative à pas mal de choses pour les décos de Noël. Donc là c'est plus une déco enfantine hein, parce que je mets ce que j'ai sous la main, mais si vous mettez autour un ruban rouge, un ruban écossais rouge, un ruban doré ou même après vous mettez ici à la place de ça, vous pouvez mettre des grelots, des choses comme ça, je pense que ça peut faire super bien. Et vous en trouvez des ronds comme ça de tissu, c'est pour les dragées en fait. Hein. Vous en trouvez généralement, c'est en tulle. Voilà, bon, là quand je les ai vus, ceux-là en dentelle, ils étaient quand même magnifiques. Et je les ai pas payés très cher, j'ai dû payer pas plus de 2 euros quoi. Mais il n'y avait plus qu'un dans le rayon, j'étais déçue. C'est pas très grave. C'est une boutique que je connais pas, ça s'appelle Candy, Kandy. Bon. Alors du coup, je fais 2-3 tours avec des nœuds. Avec les petits cordons, mais normalement c'est pour mettre les dragées. Donc normalement à l'intérieur on met des dragées. Voilà, bon, j'ai fait plusieurs nœuds, je vais m'arrêter là. Je vais couper les petits rubans qui sont en trop. Voilà. Et tout bêtement, ça c'est des chouchous pour mettre dans les cheveux en fait. Je vais prendre l'autre puisque j'ai pris les nounours là, je vais prendre la petite licorne. Voyez, non, c'est peut-être, je sais pas si c'est vraiment des chouchous ou pas. En tout cas, il y a un petit élastique. Enfin, bon, je sais pas trop ce que c'est à la base, mais moi je m'en sers comme ça. Et tout simplement, et eh ben, je fais le tour. Deux tours, hein, je fais pour que ça soit mieux, que ça tienne mieux, que ce soit serré. Voilà, deux petits tours. Et voilà, on étale le haut du chou-fleur là, hop. Et c'est vraiment ultra rapide. Le bombé est super bien fait. Franchement, voilà, c'est rapide à faire et franchement, ça fait son effet, hein, vraiment. Alors, pour ceux qui auraient du tissu, qui auraient la patience de le faire, il faut. Le rond, je sais pas combien il fait. Hein. Je sais pas combien il fait.
pourrais pas vous dire, mais en fait vous faites le rond, il faut passer, vous voyez là il y a des petits trous, vous passez un cordon, ouais, celui-là en fait c'est un cordon qui fait tout le tour 1 sur 2 dans les petits trous, et là il y en a un autre qui fait 1 sur 2 dans les petits trous, ce qui fait que quand on tire, ça tire chacun des cordons et ça fronce la chose. En découpant avec des ciseaux cranteurs et tout, je pense que c'est réalisable, hein, des tissus comme ça. Maintenant, il faut avoir la patience de le faire. Vous voyez ? Là, il y en a un qui passe à l'extérieur. Oups, je suis pas devant. Un qui passe à l'extérieur, un qui passe à l'intérieur. Et en fait, ça se croise. Dans chaque trou, les cordons, ils se croisent. Alors, je vais vous dire combien il y a de trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, il y a 10 trous. Voilà, 10 trous dans lesquels vous passez dessus-dessous un petit ruban. À essayer. Moi, j'ai pas essayé, hein, mais je pense que c'est faisable. Bref, petite vidéo rapide, hein, puisque c'est même pas un tuto, c'est juste une astuce. Mais allez voir dans les rayons des dragées, des mariages, des baptêmes, des communions et tout ça. Des fois, il y a des petits trésors pour la déco et tout ce qu'on fait dans les petits loisirs créatifs. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.